We are now 85 people connected, so I think we can start. So hello everyone, thank you for your presence for this fourth and last climate webinar intended to you to inspire you as leaders of the company. So we have indeed already explored several themes together. So remember, the first webinar was last September. Dealt with the climate risks for businesses. The second one in January immersed us in the deployment of a carbon reduction or offset program. The third one last month allowed us to better understand how to reconcile climate strategy and economic issues. And finally, for this fourth and last webinar today, is most essential since it deals with the food and agricultural issue versus climate change. So concretely, the question is, what are concretely the consequences of climate change on the food chain and the levers of action? So true to our formula, you know well our formula now, we will immediately listen to experts, passionate experts, on the subject of different subjects. So the first one, the eminent representant of this topic, is going to talk about the subject of soil quality. And then we will have the double testimony of the International Bell Company, which has brilliantly illustrated itself in the conduct of a strategic transformation of its food chain. So of course, during the presentation, you can ask all your questions you want with Mentimeter. So the link to the tool and the code to enter can be found in your Google invitation. And we're going to show you this code just further. So I now leave to Arnaud, our partner Ecolearn, to please to introduce you to our speakers. Whom, of course, I would like to thank for their performance. Arnaud, it's up to you. Thank you, François, and glad to see you all of you again. So as you said, François, so this is definitely a very important topic for you as a retailer. So your upstream, your most important upstream, not only looking at the revenues generated by food in your entities, but also while looking at the environmental impact in the scope 3 that the agriculture system is generating. So we will have a double focus, as mentioned by François. So we'll leave the floor first to Pascal Boivin, which is one of the most important experts worldwide on agroecology, and more particularly on soil science. So Pascal will tell you a lot about that. So Pascal is an agronomist, but very closely working with business world. And I guess you will tell it, Pascal, but in particular with Nestlé, but many other business. And so Pascal will insist on the very important issue of soil. What are the environmental impact associated with soil, not only for climate, but for many other aspects. And progressively, we'll give you some solution that we can consider to improve the whole system, and try to show you the roles a retail might play to bring more efficiency in the soil system. I will introduce later on Bell speakers. We'll have two people this time, Alexandra and Simon, that will speak about the achievements from the group Bell. Bell being not only a French company, but located all over the world, both from an industrial point of view and commercial point of view. And so we'll have the opportunity to also see what can be done, not only in France, but in other countries. From a very practical point of view, so we'll have the first presentation in English with Pascal. Don't hesitate to raise your question through this Menti code. And we'll raise the question to Pascal just after his introduction. And later on, the Bell presentation will be attended in French, and you'll have the same code and the same mentee for raising the question to Bell.
So Pascal, thank you very much for joining this this webinar. We're very happy to welcome you, and the floor is yours. Thank you very much, and hello everybody. I will try to lead you on a short journey on a very complex topic, but I will try not to oversimplify, but to provide something useful for you, hopefully. So I just share my presentation. Yes, should appear now. Hope it's the case. Do you see my screen? That's fine. Thank you. Yeah, fine. So I can start. Okay, but not, this is not the first, the last. I have to share the first one, preferably. I won't go reward. Do you still see it? Still great. Yeah. Okay. Let's go. Yes, I'm a soil scientist and professor of science in the University of Applied Sciences in an agronomy faculty in Western Switzerland, in Geneva, in fact. And yeah, dedicated large part of my career on soil quality. And of course, this question, you will see that this question of carbon in soil is now on the top of our desk for many reasons, but in particular for soil quality. Maybe they're just to recall shortly, soils are quite unknown by most of us. They provide 95% of all food. Many people probably can guess this, but it's also, for instance, 70% of all antibiotics. And indeed, there are many, many soil properties and many, many soil services that we are using. But this is a very, very young story. This was read with the Millennium Assessments of the Earth Ecosystem Services from the United Nations in 2005 only. Before, it was just a knowledge between some soil scientists, and we are not so numerous on this planet. And then more awareness rates with 2015 and the soil year. And it was also at the same year, there was the COP21. I will come back to this. And in 2019, from my perception, it was a very important momentum for soil awareness. It was this report of IPCC on climate change and land. It appeared then, so this is our century, 21st, not 20th century, that the soils are the cornerstone of ecosystem services. And that was a big surprise with the Millennium Assessments to see soils appearing on all the services, at least the territorial one, but not only. And this also provided reports on the land degradation, because it's estimated to undermine now the well-being of 3.2 billion people on Earth, and it's sharply increasing. So this is a concern also, is can we keep these services at the appropriate level? And the threats on soils were underlined long ago. See, for instance, this cover of Science. It was a special issue on soil, which is not so common, but in this special issue, they state, it's 2004 that erosion is as big a problem as climate change. Now, I think most people are aware that there is climate change. If you go and ask for erosion, probably nobody knows what it is, and nobody knows why it is as big a problem as climate change. And this is particularly true with scrub soil. So again, this is quite, this is 2004 in the Guardian. Earth has lost a third of arable land in past 40 years, for instance. So there are many warnings, but they're not so recent. I mean, from soil science, end of 20th century and reaching the people only past decade. This is now worked out, for instance, with the Green Deal of Europe. There is a soil strategy preparing the package of policies for soil protection in the frame of the Green Deal. I'm working in this experts group, and this is, for instance, their evaluation on the threats, the challenges on the soils. And of course, it starts to be on the top of the agendas. And to make it very short, why is arable land degraded? First, arable land is the major surface area. So of course, it's weighing a lot on the functions the soil provide to our planet. And this is connected with intensified agriculture, with different processes such as compaction, you see here this harvester, with erosion, and behind this, loss of humus, the humus, the organic matter of the soil, is the underlying major process.
Now we have the climate issue, which is entering in the discussion, and this is also a stronger motivation to focus better on soils. And there are different aspects, because it also puts agriculture under pressure. I already mentioned this question of erosion, which is going to increase with the increasing special heavy rainy events. I mentioned this climate change and report from IPCC. There is also the stagnation patterns worldwide. These are French numbers, but you also have similar reports like in Nature here for the world. We have the same patterns in Switzerland. Yields are stagnating, and it's hard to understand how to overcome this since about 1995. And of course, you're probably aware that, for instance, in EU, agriculture weighs about 10% of the global greenhouse gas emission. So a lot of pressure, and I have not mentioned all the pressures that farmers are experiencing. And agriculture has to adapt to climate change, because you will have, and we already know that, drought events, very hard drought events, and we are really in the beginning of the hard part here, but also extreme rain events, and this is the balance. And now we experience the drought, but on average, the total rainfall will remain more or less equal in our country. So, which means extreme rainfall events are also coming. They are started, but they are coming, which goes with floods and erosion. Remember, erosion as big a climate problem as climate change. What does it mean? We also have extreme temperatures, which are jeopardizing a lot of crops or a lot of varieties that will not be feasible in the future. And there are new pests also coming, in particular with insects, and they are coming quite fast, etc. So many pressure, and one of the key prepare agriculture to resist and to be resilient to this is to prepare resistant and resilient soils. Most of these threats are addressed by the preparation of the soils. Just to remember something quite simple, why do we talk of soils and carbon cycle? It's because plants are assimilating the CO2 of the atmosphere. This is the photosynthesis, and so they are making their tissues, and these tissues are degraded then in the soil with also a lot of soil biota like worms, like bacteria, like fungi, and they are degrading plants residues, and they degrade, their bodies are degrading as well, and this is producing humus, which is a very transform fresh organic matter, heavily transformed, heavily linked to the clay minerals, and this might be also a sequestration technology. We're going to talk a little bit about that. So you have humus in the soil, and just to give you some orders of magnitude, the humus, the organic matter of the soil, is composed of about 60% of organic carbon, and 1 ton of organic carbon is 3.66 tons of CO2, and it comes from the atmosphere, hopefully. Now, one of the very first things to recall is that the soil quality, which is the ability of the soil to fulfill its functions, is sharply depending on the soil organic matter content or soil humus content. And you have many, many properties, such as the porosity, the water retention, which means resistant to drought for plants, the aeration, the infiltration, which means no more floods, stability, mechanical properties, nutrient content, biological activities, etc. Many, many functions are proportional to the soil organic matter content, which means when you have more on the soil organic matter content, you have more on the function, and vice versa. Water deposition as well. And the structure vulnerability, the vulnerability of the soil. So its vulnerability is defined as the combination of resilience and resistance, is proportional to humus contents reported to clay content. Now, we just have to introduce that it is estimated that 50 to 70% of the soil content in humus was lost during the second part of 20th century under intensive cropping, which means if you lose this humus, you lose the functions. And now we come to an end, to a limit, that these functions are not enough for many, many of the services we are addressing, including, of course, fertility for farmers' production. The second fact
is that if you compare the annual, the yearly emission of an equivalent CO2 from fossil fuels and the organic carbon content with the form in form of humus in the soil, you go from 9 to 2,400 gigatons, which means each year we are emitting about 4 per mil of the soil organic carbon content, which led to questions from the climate people working on climate, saying, oh, soil science and agriculture, would you be kind enough to increase this contents by 4 per mil every year, 1.004, because if so, it balances the annual emissions. This is a very simple idea that was introduced by climatologists at the COP21. So this is COP21, 4 per mil initiative, which is exactly what I said. You can balance, maybe, if that was achievable, we could balance. And this was followed by reviews from scientific organizations, such as here, the report from the European Academy of Science Council, because they evaluated the seven negative emission technologies proposed in the COP21. And you can download it, it's for free, and you can read only the summary, it's very clear. None of the negative emission technologies that were proposed are achievable, affordable, without risks, etc., or would have a significant effect on the greenhouse gas problem, except storing CO2 as soil organic matter content is the only negative emission technology which is both effective, affordable, and immediately deployable at large scale. So IASAC is not saying this will succeed. They just say this one you can do. You can do, and it may have a significant effect. So which means, based on this, there is a very high pressure on soils, soil science, and mostly agriculture to sequester organic carbon in the soil. And you see, it's planets are quite aligned because we need to. Maybe a word on storage or sequestration. Sequestration is defined as the transfer of CO2 from the atmosphere to the soil, which is what I have shown, but through plants, the residue, as I said, but which are stored or returned there. This word is very important as part of the organic matter, which means of a minimum duration of 20 years or so usually required, but storage of carbon is very different, like concentrating all your manure and organic matter on only one plot, one field in your farm. Of course, this soil will increase its organic matter content, but the other not. This is storage. Or you can buy something elsewhere, but that could have been used elsewhere. This is storage. This is not sequestration. The condition for sequestration is here. And each time you move organic matter from one place to another, it's very questionable. Also, it's very closely linked to the question, how much organic matter do we need in all soils? It was very poorly documented because it was really not an option during 20th century, but now it is for evident reasons. And you have two considerations. More is better. And this is in line with what I showed you, the proportionality of the organic carbon content with the properties. Here, this is soil porosity, and you have permanent pasture, no-till, conventional tillage. It doesn't matter. This is the same relationship. The more you have carbon, the better it is. But there is another consideration. This improvement is limited, and the overall structure quality of the soil is depending on the organic matter to clay ratio. And this is the clay content that indicates the glass roof, the saturation of the soil. Some people call it like this, and the different levels you should reach. So if you look at the limit here, between fair structure, fair quality, non-vulnerable soil, and poor quality, very vulnerable soils, the thresholds occurs with the organic matter to clay ratio of 17%. We will see what that means for our fields. The threshold of 12%, remember this number. This is hell, this is a nightmare, because you have the highest probability to get a very poor degraded structure. And paradise is somewhere around 24% of organic matter compared to clay. And this is the scale you have to consider. Sometimes some people write, okay, you should have 2% organic matter, 3%, whatever.
that's absolutely meaningless. You only have to consider this ratio. And this is well admitted now, but these are very recent results we have obtained. And it was confirmed by colleagues in Europe and elsewhere that this scale is the very important one. So see an illustration here. This is about 8,000 fields analyzed in the Swiss Jura arable land. And the median value, remember, 12%, this is hell. The median value is 12%. So they do need to improve fast. But you see that there are many plots reaching already the 17%. So they start to jump out of hell. And then, including paradise, is rich in terms of structure vulnerability and soil quality by many fields. Of course, much less than those who are depleted in organic carbon, but you have some. And this is very interesting because those farmers who are here tend to say, I can't do it anymore. And you see, moreover, you have a lot of clay here. So many farmers say, I can't improve that. But then you can just say, oh, why don't you go to visit this one? And this is very efficient. So in terms of sequestration, if you want a sustainable agriculture, you absolutely need to reach this level. So this defines a minimum sequestration potential. And this is what's classically used at the threshold in the past to define the sequestration potential. But you can also decide that you're going to go there. This is a political decision going from there to there, not an agronomical decision. And so you have different levels of sequestration potentials, like I can illustrate here. We did that for different Swiss cantons. And here, this is main annual crops in Canton of Vaud. So the minimum is 2 million tons of CO2 that you should add in the 21st centimeter of the arable land in this canton. But you can also aim at increasing by 6.6 million CO2, depending on the objective you set. Now we jump into management of the agrosystems. Because this the question is, how do you do this and how fast? We first looked at the time trends in the organic carbon content in our soils. We are lucky that every field has to be monetarily analyzed every 10 years. So we get this database in my group, and we can consider what happened with all the fields in Switzerland during the time since 1988 exactly to now. And all the cantons show the same patterns. We were losing carbon. See, this is the change, the rate of change in per mil, just to compare with the 4 per mil. All the soils were losing carbon by 5 per mil at the end of 20th century. In 2006, it became on average neutral, with a lot of fields losing carbon, a lot of fields gaining carbon. But then you can see that in 2012, we reach 4 per mil. For the 4 per mil, this limit of the 4 per mil initiative was reached. And it was eventually overpassed in 2015, 6 per mil, and probably 10 per mil now. So the organic carbon loss was corrected. What occurred during the 20th century is already corrected in Switzerland because there are some regulations leading to this. And 10 per mil is a reasonable objective. I would say even a minimum objective, probably already reached on average, and mostly there is a strong increase potential because all these fields are still losing carbon. You see the annual rate of change is negative. So if you manage to push them into the positive zone, you will sharply increase the average rate of change, much more than 10 per mil, maybe. We are farmers. Here we selected the numbers with respect to exceptional values and so on. But we have farmers who sequester at 40, 50, 60 per mil every year. And the on-farm levers for this are, first of all, the green manure, the cover crops used as green manure, which means this vegetation is introduced in the intercropping and it is left to the soil. And this is enriching the soil very fast. And there is a big consensus in research on that. The organic matter balance is also very positive as an effect on the soil organic carbon content, like applying manure and so on, compost and so on. But of course, you have to consider this is for sure sequestration. Here, this is not sure. Moreover, if you could do the greenhouse gas balance emissions, applying compost, for instance, is also introduces a loss of carbon, so it's negative at the level of farm, positive at the level of soil.
And the only negative effect is soil tillage intensity. This one is, so soil tillage intensity is not only a matter of blowing or not, it's all the tools you use, the motion, the speed of motion, is it turning the soil or not, what is the depth, and you can rate all these things, and it gives a very proportional effect on soil organic carbon content loss. I won't detail this, but we get this in a very much detail, which means we now introduce this evaluation together with the evaluation of the greenhouse gas balance of the farms. And in all regions, we have many farms offsetting their emissions by their sequestration in the soil. And therefore, they use these different levers, a little bit more detail, to just to estimate what is the impact of their cropping system on their soils and how they can become sequestrating carbon or even offset their emissions. And the effects of these pillars, of these levers, are additive, which means it's possible to play differently on the different levers. For instance, organic farming will require to work the soil, even maybe plowing, because they need to control the weeds. So they have to compensate with other factors. It's not so easy, but they can play this. It's not necessary to change the whole system. It's not a matter of black or white. It's all levers are great if possible. You just have to combine them based on a sound evaluation of their impact. And also a warning, the more you have, and this is very important for management, excuse me, but warning, the warning is that the more you have organic carbon, the more it is limiting sequestration, which means to some extent you have a saturation. It's very high, it's a 24% of organic matter to clay ratio. We are very far away from this in all our countries, but the more you increase this ratio of organic matter to clay, the more it's difficult to increase. So it has to be taken into account. And of course, the first key for levers is to maximize the green matter plant cover. So to summarize up, I won't go into too much into details, but we know how to sequester carbon. First, we know it is feasible at a rate much higher than 4 per mil in all regions. The question is now, how do we upscale fast? And I will just give some words on that, because there are ways. There are roadmaps you can take, and there are traps in which you can fall. The first trap is the magic sinking and the unilateral solutions. So this is a little summarized up in this paper. The lesson from the research now is that if you are promoting soil quality with the levers I indicated on the last slides, you will have the highest SOC increase, soil organic carbon increase. Contrarily, if you only focus on soil organic carbon increase, you may introduce very, very hazardous techniques. So you have to work on soil quality, and this goes together with farmers' income. This is an example here. It's in French. It's also on in English on their site of the University of Concordia in Montreal. This is an example of the magic thinking. There is some student did some work, it happened that in some of the trials they could just put the topsoil, the very topsoil, in depth at 80 centimeters, just like you would put the organic matter in the fridge. And they say, oh, this is promising. So you have very big titles on the website and so on. And so you have some people just taking this and saying, oh, yes, why not make a very deep tillage, deep plowing everywhere? This is extremely hazardous, extremely dangerous. And when you go into the papers published on this topic, it's very weak. Indeed, very few results. But you already find this at the top of some media's or some decision makers' agendas. And then I think this comics is summarizing very well the question. We have to accept that this is a complex problem, and dealing with it is very right. And if you go into magic thinking, would it be with whatever you hear a lot of things, biochar will save the planet, deep plowing will save the planet, something will save you. This is simple. This is wrong. A very important aspect is to involve the value chain, because it's important to know, and particularly for you, that business models and from supply chain to retailers shape the cropping practices of the farmers on the farm far more than regulation. So you can introduce regulation. To some extent, it has an effect, but it is strongly limited by what the farmers have to produce.
And this is, the devil is into details. I won't describe more now, but this is very important to consider. So if the value chain is not understanding how their work is impacting the soil quality, this will go on. And there is also another reason, is that carbon footprint, you probably know that the carbon footprint is linked to the sourcing. And here, this is an example from Nestlé, majority of the carbon footprint is linked to the sourcing. So it, which means anyway, the value chain has to change the conditions of the production of the sourcing. So there's some momentum, because if you consider this, along the food chain, needs and expectation lead to the same paradigm from the farmer to the consumer. Transition towards regenerative agriculture is very important. So taking the momentum is also avoiding the traps on the way. One first thing is we all need capacity building. Yeah, there is very poor awareness on what are soils and what is agriculture. So there is a high hazard to take inappropriate simple commitments and apply wrong methods. This is the left way on these comics. And this is not simplified by research, which provides very confusing messages. So beware also of magic thinking. Of course, we all believe in new technology, data science, and so on. This cannot be the solution, because there is not a solution. So we overestimate this. We put it forward, though it can be, to some extent, some help, but it's not the solution. And there are also many gurus proposing this simple solution. So beware of what we call the Peter Pan complex. It's not considering the reality and just going into dreams with the magic thinking, I would change this and everything is okay. We don't need quick fix here. We need to work on the system. And we can do this, but therefore you need a roadmap. Because if you take, if you consider the multiple non-Iraqad expectations and commitments on greenhouse gases and biodiversity and soil health and carbon sequestration, pesticide reduction, and so on, wanting it all right now will block the system. So you need a roadmap and you need the right hierarchy. For instance, biodiversity is very popular, but it's a result. It's not a primary level. You won't bring buckets of worms in a field to improve it. That won't work. So you have to create the condition for biodiversity with other tools. Also, pesticide reduction for farmers is much easier when you have regenerated the soil than when you have not. And in particular, conservation agriculture goes with greenhouse gas reduction and is compatible with pesticide reduction. So we have many farmers here no longer applying fungicides, insecticides, since more than 10 years. They are not organic, but they are only use some herbicide, and they are improving on that. So organic farming, for instance, is possible with conservation agriculture technique when you have 15 to 20 years of successful regeneration of your soil. Conservation agriculture is the same as, sorry, I put CA here, but it's like regeneration. So if you convert a farm which is regenerated and into organic, you can go on keeping the high quality of your soil. If you start with a degraded soil and you want to do organic, you will continue to degrade your soil. Organic farming guarantees no pesticides in food and water, but the other soil services are very difficult to achieve. The last point, maybe in my talk, but I probably the time is over, it's that coordination between stakeholders is very important. I'm personally involved in the scientific council of the two foundations of SWARMS and Pour une Agriculture du Vivant that you may know. There are others, but these two ones are provide a lot of ways to combine the energies of the different actors of the food chain. And this coordination is very important. For instance, insurances that want to ensure the flood hazard, they are also interested in this. There are many, many partners, and if they don't coordinate, this will fail. Yeah, I finished. Thank you for your attention. Thank you very much, Pascal, for this very detailed and kind of technical presentation. But agronomy is definitely a very high-end science. And as you said, most of us, we don't know a lot about agriculture and how agronomy is working. I have some questions already, and don't hesitate to add more in the Menti website. So the first question relies with your one of the last points you raised on technology. So the question being, will hydroponics technologies help with soil degradation problems?
And we could enlarge it to any new high-end technology that we're talking about, such as urban agriculture and that kind of stuff. So what's your mind on that? Yeah, everything like urban agriculture, you know, including vertical agriculture and buildings and so on, hydroponic and so on, it's a very marginal possibility to provide our food, to grow food. So at 95%, we will always depend on soils. So of course you can introduce other things, but hydroponic is limited to some horticulture, vegetable production, and even they are also under high pressure because of their greenhouse gas balance, because of their non-sustainable practices and water management and so on. We also work with them. But that's another word, and a very specific word dedicated to some vegetables. So the major question is cropping with soils and also having livestock and so on. This we have to solve regardless of what is invented on the other side. Urban agriculture is very interesting in terms of awareness rising on agriculture, eventually on soils. But it's not a solution. It's a social solution. It's an awareness tool, raising awareness tool, but it's not a solution for food security. Thank you very much. Another question that is being raised. So it starts with this one. So why Israel, with very poor soils, is so successful in agriculture? And we can extend it in by another question. So are there any geographical concern regarding what you explained? So are there different patterns for agriculture and soil conservation across regions of the world? Yeah, of course. The case of Israel, I won't go into much more detail. What do you mean by successful? I mean, look at the inputs, look at the economical balance, look at the sustainability, look at the water balance, for instance, and the conflicts they have with neighbors is closely linked to water management and the capturing of water. They need it. So they are introducing polymers in their sand to keep some water in and so on. So is it sustainable? Can you extend this? No. I mean, 40 years ago, people were already coming. I was working in South Africa, in a South Saharan regions, big countries, and they were coming saying, why don't we do that? You know, they were coming from Israel and they wanted just to do that in this full Sahara, but you can't. You can't. So, Israel needs to be successful, and so they put all the things they need to be successful, but you cannot do this. It's not something you can generalize. Then, of course, the word climates, the word plants, the word conditions for producing are very different. So in all these regions, you can introduce soil regeneration, but the levers will change. And this is in the definition of agroecology. Agroecology is a toolbox. It's not a standard method, a quick fix. It's a toolbox. And you have to open this toolbox and select the right tools depending on the farming system you're working on, the climate and the soil system. This is something we are drafting now for some companies. They want to go further with that. So we are drafting it. And on the way, there are many solutions and we will face some limitations. But I would say that the story of regenerative agriculture is made of this is impossible statements, and which has overcome some years later by farmers themselves, not by research. So let's go on this process, of course, in dry land. Very big, very drought, severe drought, and no water sources, you will, for instance, face limitations. Thank you. And I will choose, and I will pick one last question to keep the timing. You told us that we need to pay attention to simplicity and while being in front of a very complex problem. But how do you deal with complexity and to make things happen? And in particular, how do you tell the story to farmers to give them access to this understanding and move to action? That's one of the most important questions. So how do you have agro-environmental management schemes that are successful in upscaling the agroecology? And then it's not soil science that tell that. It's a land use policy papers, studies in social sciences. And I strongly suggest to look at the result-oriented management schemes, because when introducing that, there is a very big feedback and research on the indicators you have to use. The indicators must be accessible to the users, which means the farmers. You have their value has to be shared by all the chain, which means the decision makers, the scientists, and the farmer.
And there are many conditions which are very well described in this process by, based on previous experiences. Would it be different aspects of protection of plant species or birds and so on, live birds, but never applied to the cropping systems. And you can do that, apply it to soils. With my group, we have developed indicators adapted to this. This is quite successful in many projects. And this is the most important part. You have to work in result-oriented management schemes, and you have to use the knowledge on that. Who knows that? Who has? So you hear that a lot of time. I mean, yeah, we should make result-oriented schemes, but please read the literature. That's very clear how you should apply this. And I think this is a very powerful upscaling tool. And this introduces a lot of thinking on the way you help it. So we are introducing in different projects in France, in Switzerland, these ideas, and particularly in Geneva now, with the support of the Swiss Federal Office of Agriculture. They are funding now a project which is fully result-oriented on the levers of soil improvement. Okay, well, thank you very much, Pascal, for this a very deep dive introduction on the agriculture and soil issue. I will conclude with food for thought and let our participants think about what you brought to us. Now, I will switch to French, as said before. So, merci beaucoup, Pascal. Donc, nous allons maintenant basculer sur un témoignage du groupe Bell. Alors, on va quitter le monde de l'agriculture pour plutôt le monde de l'élevage, parce que Bell se consacre avec sa matière première essentielle qui est le lait. Mais au-delà du lait, je vous laisserai témoigner. Donc, on a la chance d'avoir deux représentants du groupe Bell qui vont vous exposer, d'une part, la façon dont ce groupe agroalimentaire à travers le monde gère ses engagements de décarbonation et quelles sont les principales actions entreprises tout au long de sa chaîne de valeur et sur les différents leviers. Et puis, nous aurons dans un second temps un focus sur les aspects beaucoup plus agricoles et les interactions avec l'amont agricole et en particulier le système de production laitier et voir quels sont les leviers d'action qui sont aujourd'hui encouragés par le groupe Bell pour décarboner ce modèle de production laitier. Donc, on a le plaisir d'accueillir à la fois Alexandre Bérébi, je laisserai vous présenter éventuellement un peu plus en détail, qui appartient à la direction des ventes du groupe Bell et qui supervise toutes les questions de développement durable dans ce pôle d'activité et qui a notamment pour vocation de répondre et d'informer des acheteurs tels que vous êtes au sein de Auchan des pratiques et des enjeux d'un groupe de l'alimentaire. Et puis, Simon Bonnet, vous êtes en charge de superviser toute la démarche de développement durable vis-à-vis de l'amont laitier à travers le monde. Et vous pourrez donner effectivement les réalisations du groupe Bell. Et encore une fois, pas seulement en France, mais dans toutes les zones de production où vous êtes présents. Merci infiniment pour vous être rendu parmi nous aujourd'hui. Et Alexandra, je vous laisse commencer. Alors, ton micro est coupé, Alexandra. Et n'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, sur la plateforme Menti. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette introduction. Donc, en effet, je vais introduire cette première partie et peut-être commencer par vous parler un tout petit peu de Bell, même si j'imagine que cette entreprise ne vous est pas inconnue. Donc, Bell, c'est un groupe français de l'agroalimentaire. C'est une entreprise familiale. Et ça, je pense que c'est aussi un élément important à souligner parce que ce qui différencie Bell un peu sur son marché, c'est cette ambition qui met en fait au même niveau aujourd'hui la partie financière et la partie extra-financière dans notre modèle économique. Donc, c'est ce qui aujourd'hui est vraiment souligné par notre direction générale puisque notre ambition, c'est de rendre accessible une alimentation saine et responsable au plus grand nombre. Et nous avons construit un modèle économique donc qui repose sur ces deux jambes, celle de la responsabilité et de la profitabilité qui, l'une et l'autre, en fait, on va dire, s'alimentent.
puisque sans responsabilité, sans durabilité, il n'y a pas de projection de notre entreprise dans le long terme. Or, vous pouvez imaginer que quand on est une entreprise familiale, l'importance pour notre direction, c'est aussi la transmission aux futures générations. Et donc, c'est ce qui fait que ces éléments de responsabilité et de durabilité sont au cœur de notre modèle économique, mais sans profitabilité, pas de responsabilité, puisque vous avez peut-être observé que depuis plusieurs années déjà, en fait, le groupe Bell se transforme et qu'on continue d'investir dans notre transformation en faveur de la transition alimentaire. Et donc, pour pouvoir faire ces investissements, on a besoin aussi de la partie, bien évidemment, financière. Donc, voilà déjà pour sur notre modèle économique. Ensuite, pour continuer sur la partie et faire un focus sur la partie des engagements, justement, RSE, et donc la jambe responsable. Donc, Valentina, on peut aller sur le slide d'après, merci. Nous avons cinq engagements RSE principaux chez Bell. Donc, en tant qu'entreprise alimentaire, évidemment, la nutrition, c'est le premier pilier, c'est-à-dire proposer des produits sains d'un point de vue nutritionnel. Donc, à chaque fois, nous avons des produits qui s'adaptent aux besoins alimentaires, aux carences alimentaires et aux problématiques locales. Le deuxième pilier, c'est celui qu'on va particulièrement développer avec Simon dans la deuxième partie sur l'agriculture régénératrice. Le troisième pilier est transverse et aujourd'hui, on en parle énormément parce qu'en fait, finalement, il rejaillit sur tous les autres. C'est celui du combat contre le changement climatique. Et vous le verrez, parce que je vais parler un tout petit peu de notre politique carbone derrière. Effectivement, il est très, très lié à l'amont laitier. Le quatrième challenge, on va dire, que nous souhaitons relever, sur lequel nous avons des objectifs ambitieux, c'est celui du packaging, puisque Bell est une entreprise qui aussi se différencie par le fait de proposer sur le marché des portions de fromage. Donc, qui dit portion dit la juste dose, dit pas de gaspillage alimentaire, mais dit quand même des déchets d'emballage. Et donc, on a aussi une politique sur la réduction de nos emballages aujourd'hui qui est poussée par toute l'équipe R&D. Et enfin, le dernier axe d'engagement de l'entreprise, c'est autour de l'accessibilité de nos produits. J'ai dit au plus grand nombre au début, donc c'est de pouvoir s'adresser aux personnes, quel que soit leur régime alimentaire et quel que soit leur niveau social. Et puis aussi, c'est de couvrir le monde d'un point de vue géographique, hein, y compris sur des zones reculées avec des routes to market, on va dire, adaptées à chaque fois. Voilà sur nos engagements. Donc ensuite, si on rentre plus particulièrement sur la partie changement climatique et politique carbone, donc sur le slide suivant, en fait, voilà, on a essayé de simplifier à travers ce graphe notre politique de réduction de nos émissions qui, justement, priorise d'abord cette réduction d'émissions. Nous avons, depuis 2017 maintenant, entamé une démarche avec une roadmap et un travail de validation auprès du Science Based Target Initiative. Et donc, nous avons été homologués, hein, notre roadmap a été validée sur une ambition qui s'aligne avec la trajectoire de 1,5 degré des accords de Paris. Donc ça, j'imagine que je ne parle pas chinois pour des gens comme vous qui avez suivi la formation EcoLearn. Mais donc Bell, à travers son ambition de réduction, en fait, effectivement, est en alignement avec cette trajectoire. Et puis, évidemment aussi, quand on travaille dans l'industrie, et dans l'industrie laitière en particulier, même si on réduit au maximum, on atteint ensuite un niveau d'émissions carbone qui sont incompressibles. Et notre objectif, c'est aussi évidemment d'avoir des politiques de séquestration pour pouvoir compenser ce qui reste en fait en termes d'émissions, le tout pour atteindre, enfin en tout cas pour contribuer sur la planète à la neutralité carbone. Alors, on a plusieurs niveaux d'ambition. Je vais vous montrer ensuite comment se décomposent nos émissions carbone, mais on a un premier engagement qui est que nos usines contribuent à la neutralité d'ici 2025
et puis l'intégralité de notre chaîne de valeur. Alors, on va dire que publiquement, on parle de 2050, mais vis-à-vis du Science Based Target en particulier, on a une roadmap qui nous emmène plutôt à 2035 sur cette ambition de neutralité. Donc voilà pour la partie carbone. Et maintenant, si on regarde justement ces émissions carbone, comment ça se décompose? Bon, d'abord, il faut savoir que le groupe Bell, au total par an, au total des pays sur lesquels on a une empreinte, c'est 5 millions de tonnes de carbone émises. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que 72% de notre émission provient de nos matières premières, et en particulier sont issues des fermes et des fermes laitières. On n'a que 4% de notre empreinte qui provient de nos usines, et pourtant, c'est la partie sur laquelle, en fait, on a un contrôle direct, on va dire. Ensuite, la deuxième source d'émission, c'est le transport, c'est la logistique. Et puis viennent le packaging, dont je parlais aussi tout à l'heure, et puis aussi, effectivement, tous nos investissements en usine, en marketing, etc., etc. Voilà, donc quand on voit ça, on comprend que pour réduire nos émissions, en fait, on a besoin d'engager l'ensemble de notre écosystème, puisque nous, en fait, quand on s'est engagé à tout réduire, on s'est engagé sur nos trois scopes, c'est-à-dire sur toute notre chaîne de valeur, depuis l'amont, depuis donc les fermes, auprès desquelles on achète notre lait et les autres matières premières, jusqu'à l'aval, jusqu'au consommateur final et aux déchets qu'il crée. Donc, une grosse partie, finalement, ne dépend pas directement de nous, mais de l'influence qu'on va avoir, justement, sur nos parties prenantes, y compris aussi, évidemment, les distributeurs comme vous. Donc, on voit ici, sur ce slide, que on a besoin de travailler tous ensemble pour arriver à cet objectif. De notre côté, la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'éviter les émissions au maximum, comme par exemple en ayant une politique de zéro déforestation ou des politiques aussi autour de la biodiversité. Je ne sais plus, Simon, si tu en dis un mot dans ta partie. Et puis, on travaille aussi sur la réduction, évidemment, de tout ce qui est gaspillage alimentaire. On réduit toutes les émissions directes qui sont liées à nos usines, mais vous l'avez retenu peut-être, hein, c'est seulement 4% du total. Jusqu'à présent, on a eu une réduction de 8% des émissions dans nos usines, et on a 67% de l'électricité qui est utilisée dans nos usines, qui est d'origine renouvelable. Donc, en fait, on est vraiment sur le on track, on va dire, hein, sur la bonne trajectoire pour atteindre pour contribuer en tout cas à cette neutralité de nos usines d'ici 2025, comme on l'avait dit. Et puis, le gros et la difficulté, c'est d'accompagner les autres, d'influencer, on va dire, toutes nos parties prenantes aussi, à s'engager avec nous. Et ça commence par nos fermiers. Les politiques qu'on a mises en place en partenariat en particulier avec le WWF, avec lequel nous sommes depuis de nombreuses années partenaires, pour identifier les pratiques, les bonnes pratiques d'agriculture que nous souhaitons mettre en place en partenariat avec nos fermiers. Donc ça, c'est un des pans de notre politique que va développer Simon tout à l'heure. Mais il faut savoir aussi que pour réduire notre impact carbone sur cette partie, sur cette grosse partie des 72% qu'on a vu tout à l'heure, ça passe aussi par un rééquilibrage de notre portefeuille de produits. Et donc, on a aussi dans notre stratégie la volonté de pousser tout ce qui est végétal. Donc, vous savez que Bell a racheté l'entreprise Mom, Materne, Pompot, Squeeze, Gogo Squeeze, il y a quelques années déjà. Et puis, sur le fromage aussi, nous avons lancé des nouveaux produits, des innovations autour d'alternatives aux protéines laitières à travers soit des nouvelles marques, soit des innovations dans nos marques existantes comme Babybel par exemple, et donc des produits qui sont issus de protéines végétales.
et qui commence à sortir. Et on a vraiment l'ambition d'accélérer ce segment très nouveau encore sur le marché. Et puis, dernier point, très important, toujours pour sur l'influence auprès des autres et nos parties prenantes, c'est aussi nos employés. Donc, il est important que tous les employés de Bell, les 12 000 employés de Bell, se sentent acteurs de cette transition. Et donc, ça passe aussi par de la sensibilisation et de la formation, comme vous êtes aussi en train de le faire aujourd'hui chez Auchan. C'est vraiment majeur. On s'appuie, entre autres, sur l'outil de la fresque du climat. Aujourd'hui, on a déjà formé plus de 1 500 de nos salariés à travers, entre autres, des animateurs en interne. Donc, voilà ce que je peux dire sur les gros sujets. Donc, ici, on voit effectivement que dans notre politique, notre stratégie, on va dire, et l'opérationnalisation de cette stratégie, je reprends des points dont je vous ai déjà parlé, mais on a besoin d'être validé par les scientifiques. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la validation auprès du Science Based Target et notre roadmap sur laquelle on s'engage à une réduction de 25% de nos émissions sur l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2035. Pour pouvoir suivre toutes nos actions et traquer vraiment ces indicateurs, on s'est doté d'un outil très innovant qui s'appelle, qu'on appelle l'outil Bilo Carbone chez Bell, mais qui nous permet de traquer tous nos SKU, les émissions, et donc de pouvoir piloter sur chaque business unit et auprès de chaque marque les politiques d'innovation et de rénovation de nos produits. Nous avons une organisation particulière avec une direction qui était anciennement la direction financière, qui aujourd'hui est la direction de l'impact, puisque nous avons rassemblé sous la même direction l'ensemble des indicateurs financiers et extra-financiers. Et notre DAF aujourd'hui, c'est le premier sponsor chez Bell de notre politique carbone. Et enfin, je vous le disais, l'importance de rendre chaque employé de Bell responsable et acteur de cette stratégie à travers une politique de formation et de sensibilisation de tous les employés à travers Bell. Voilà sur l'opérationnalisation. Et Simon, je te laisse maintenant parler plus particulièrement de l'amont laitier, dont je parlais précédemment. Merci Alexandra. Bonjour à tous. D'abord, juste ravi d'avoir écouté Monsieur Boivin avant. Je vous avais déjà écouté lors de conférences, mais c'est toujours aussi limpide, un peu technique parfois, mais toujours aussi limpide qu'on vous l'expliquait, donc bravo. Donc moi, je suis Simon Bonnet, je suis directeur des achats lait, je suis au sein de la direction achats du groupe Bell. Je suis ingénieur agronome de formation, j'ai toujours travaillé dans la RSE, mais depuis 3 ans, je suis aux achats. Et mon rôle principal, c'est la sécurisation de nos outils de production en lait et aussi de la transformation de l'amont laitier avec nos partenaires producteurs vers un amont laitier plus durable et vers un amont laitier moins carboné. Si on passe à la slide suivante, du coup, juste quelques données sur ce que représente le lait chez Bell. Donc le lait, c'est 1 100 millions de litres de lait. On est dans 9 bassins laitiers, Amérique du Nord, donc Canada, US, Portugal, aux Açores aussi, en France, en Slovaquie, en Pologne et en Iran. On collabore avec près de 1 400 producteurs. Et ce qui est important à retenir, donc tout à l'heure, Alexandra parlait de 5 millions de tonnes de CO2. Sur notre scope 1, 2, 3. Et vous pouvez voir qu'il y a 3,2 millions de tonnes de CO2 qui viennent des matières premières laitières qu'on transforme dans le groupe. Donc les deux tiers de notre empreinte carbone proviennent de la production du lait au niveau des fermes. Et du coup, dans le cadre de Science Based Target, de notre nouvel engagement publié l'année dernière, on doit réduire à 2035 de 50% les gaz à effet de serre qui viennent au niveau de la ferme. Donc quand je dis 50%, c'est 50% en intensité. Donc ça veut dire que si vous
un chiffre à retenir, c'est qu'un litre de lait en moyenne, allez, on va dire c'est un kilo de CO2. Et du coup, on veut passer à un litre de lait qui produit 0,5 kg de CO2. Voilà. Si on va sur le slide suivant, du coup, on a, un gros enjeu de la transformation de la filière. On a d'abord travaillé sur un cadre pour structurer notre approche pour la transformation de la filière. On a travaillé avec WWF France, avec qui on a co-construit et co-signé cette charte pour un amont laitier plus durable en 2018. L'unicité de cette charte, c'est que nous avons défini des KPIs pour 6 axes stratégiques et que ces engagements sont les mêmes pour tous les bassins laitiers où nous sommes présents. Donc, si on parle de réduire l'empreinte environnementale du lait, on va avoir un engagement en Iran, on va avoir un engagement aux US, aux Açores et en France. Si on parle de pâturage, on va avoir un engagement sur le pâturage partout où c'est possible. Vous comprendrez que peut-être en Iran, faire du pâturage, c'est plus compliqué. Mais par contre, partout où c'est possible, on va aller pousser le pâturage. Sur le bien-être animal, la même chose. On n'a pas un pays vitrine, mais on a vraiment un engagement global avec des engagements qui sont sur tous les bassins laitiers. Si on passe à la slide suivante. Et du coup, donc ça fait 5 ans qu'on travaille sur cette charte, qu'on l'a mise en place. On voit aujourd'hui les premiers succès, on peut dire ça. Donc, quand on parle d'empreinte carbone aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ferme est unique. On ne peut pas avoir une donnée pour toutes les fermes françaises, par exemple. Donc, on doit aller réaliser des diagnostics carbone dans toutes les fermes. Donc, là, vous pouvez voir qu'on a réalisé à fin 2022, sur les 1400, 900 fermes ont déjà réalisé des diagnostics carbone. Donc, en France, il y a un outil qui existe. Aux US, il y a un outil qui existe. Quand vous allez au Portugal, en Slovaquie ou en Pologne, nous sommes les seuls, belles en tant qu'entreprise laitière, à réaliser ce type de diagnostic. Donc, on doit d'abord former nos équipes sur le terrain, leur apprendre à comment réaliser un diagnostic carbone et après apprendre comment interpréter les résultats et mettre en place des leviers de décarbonation. Tous ces diagnostics qu'on a mis en place nous permettent aujourd'hui de bien connaître les facteurs d'émission de carbone au niveau de la ferme. Donc, on peut dire que la moitié des émissions au niveau d'une ferme laitière vient de la fermentation entérique. Donc, les gros ruminants comme les vaches émettent du méthane entérique qui est produit au niveau du rumen via des rots. Donc, c'est les rots des vaches 95% du méthane est émis via les rots des vaches. Et après, vous pouvez voir que les autres 50%, c'est principalement lié à la production de l'alimentation pour les animaux via la mécanisation, l'utilisation d'intrants, la gestion des effluents et l'énergie. Et c'est sur cette partie-là, sur ces autres 50%, que notamment, on va le voir après, l'agriculture régénératrice peut avoir du sens pour aller réduire les émissions et ensuite séquestrer du carbone. Aujourd'hui, on peut voir que donc en 2017, on était à 1,5 on va dire kilo de CO2 émis par kilo de lait. À 2021, on est à 1,4 et à 2022, on est déjà à 1,3. Les résultats, on vient de les avoir. Donc, on continue notre réduction. Mais après, on va être à moins 10% en 5 ans. Notre objectif est d'être à moins 50 dans 20 ans. Donc, il va falloir qu'on accélère. Et cette réduction est principalement du fait de la mise en place d'actions au niveau des fermes. Donc, nous aussi, on n'a pas une solution magique sur la réduction de l'empreinte carbone. On a vraiment une boîte à outils, une toolbox. Et chaque ferme est unique. Et pour chaque ferme, on va avoir 1, 2, 3 leviers spécifiques à mettre en place et qui fait du sens pour la ferme.
Donc, vous pouvez voir on, dans tous les pays où, où nous sommes présents. Si, si on regarde par exemple en France, on a des leviers sur la productivité, des choses pas très sexy entre guillemets, optimiser l'âge du premier vêlage de la génisse, optimiser la, la production de lait, réduire le nombre d'animaux improductifs sur la ferme. Et après, on a des choses qui sont plus sur la ration de l'animal, comme par exemple remplacer le soja par du colza. Donc, du soja brésilien en général par du colza européen qui va avoir une empreinte carbone bien moindre. On travaille beaucoup sur le pâturage sur certains bassins laitiers qu'on trouve en France ou aux Açores. Et on travaille sur le pâturage dynamique tournant, par exemple. On travaille beaucoup sur les couverts végétaux en France et aux US. Et on travaille aussi beaucoup sur comment augmenter la résilience des exploitations face au changement climatique et face à un deuxième objectif, à la volatilité aujourd'hui des coûts matières premières sur les marchés via l'encouragement de plus de d'autonomie fourragère et protéique des fermes. Et du coup, si on juste un exemple concret, si on va sur la slide suivante, par exemple, en France, on encourage nos producteurs à mettre en place des pratiques un peu différenciantes qui peuvent au départ avoir un surcoût pour le producteur, qui peuvent au départ être des nouvelles compétences que le producteur doit développer. Donc, quand on parle d'agriculture régénératrice ou de toutes ces pratiques qu'il faut mettre en place, on voit que nous, en tout cas, sur des productions laitières, qu'on soit en France ou qu'on soit aux US, on est très, très sur un schéma classique maïs-soja. Et aujourd'hui, il faut que les producteurs réapprennent à s'approprier la vie du sol et réapprennent à développer la vie du sol. Donc, par exemple, on travaille, on donne des incentives sur la mise en place dans les rotations de légumineuses, de protéagineux, comme couvert du sol pendant l'hiver et du coup pour aller enrichir et on parlait de green manure, exactement ça, pour aller enrichir le sol en matière organique. On travaille beaucoup sur l'accès au pâturage et après on a aussi des choses sur les économies d'énergie. Et par exemple en France, sur les trois dernières années, on a 700 producteurs et on a réalisé 460 projets pour un coût un peu supérieur à 1 million d'euros. Si on va sur la slide suivante, aux US, on travaille beaucoup aussi sur l'agriculture régénératrice. Donc, nos fermes sont placées principalement dans ce qu'on appelle la Dust Belt. Donc, c'est vraiment dans le Midwest. Pendant de nombreuses années, ils ont fait du soja sur soja ou maïs sur maïs. Et vraiment, les sols ont été très appauvris. Ils sont en train de voir les limites du système, notamment les intrants qui coûtent de plus en plus cher, les rendements qui commencent à baisser. Donc, il y a beaucoup de programmes autour de l'agriculture régénératrice. Et avec notre partenaire Landolex, donc Landolex est une grande coopérative américaine qui commercialise du lait et d'autres matières premières végétales, nous avons mis en place la première ferme laitière qui utilise des pratiques d'agriculture régénératrice pour aller enrichir les sols. Et dans ce cas-là, de manière concrète, on a l'utilisation, la mise en place de couverts végétaux durant l'hiver, un moins de travail du sol, mais on continue quand même à travailler un petit peu le sol avec, plus on va avancer dans les années, de moins en moins de travail du sol et avec des KPIs qui sont suivis par par les personnes en charge du programme. Donc, le programme s'appelle Trouterra. Et donc, ça, c'était un pilote qu'on a lancé il y a 2 ans dans la première ferme laitière. On a 5 autres fermes qui suivent en 2022. On va en avoir une dizaine cette année et on pense qu'on peut couvrir 80% de notre couverture, couvrir 80% de notre approvisionnement lait d'ici à 5 ans avec la mise en place de ces pratiques. Et pour rebondir aussi sur quelque chose que M. Boivin avait mis en avant, on a vraiment
impliquer toute la chaîne de valeur sur ce type de projet, qui permet aussi de stocker du carbone, de générer des crédits carbone que le producteur va pouvoir aller vendre sur le marché. Les deux à cinq premières années, il ne faut pas se voiler la face que les rendements, en tout cas ce qu'on a vu, c'est que les rendements sont un petit peu inférieurs. Après, on revient à des rendements aussi bons qu'au départ, mais avec beaucoup moins d'intrants, donc beaucoup plus rentables. Mais au départ, en tout cas, il faut vraiment aider les producteurs parce qu'il y a quand même des craintes parce que c'est des nouvelles pratiques qu'ils mettent en place. Il faut qu'ils se forment en agronomie et ils vont perdre un peu en rendement. Et on va jusqu'au distributeur, puisqu'on a certains distributeurs qui nous accompagnent et qui vont aller aussi voir ce qui se passe dans les fermes et aller communiquer dessus. Si on va sur le slide suivant, donc ça, c'est par contre, c'est pas juste, c'est pas sur l'agriculture régénératrice, mais c'est aussi sur l'empreinte carbone. Vous avez vu que sur l'empreinte carbone au niveau d'une ferme, on a 50% qui vient de la fermentation entérique. Donc là aussi, on a plusieurs outils pour réduire le méthane émis par la vache. Au niveau de la ration, on peut modifier la ration, mieux l'équilibrer. On peut ajouter des acides gras insaturés à la ration, ou on peut aussi utiliser des additifs alimentaires qui vont permettre de réduire la production de méthane. Et notamment, on a signé un partenariat avec DSM il y a 2 ans pour mettre des pilotes en place qu'on a fait en France et en Slovaquie. Pour l'utilisation de leur additif alimentaire Bovaer qui permet de réduire le méthane entérique de 30%, ce qui fait que ça permet de réduire de 15% les émissions carbone sur la ferme. Donc c'est énorme. Si on va sur le slide suivant, donc juste pour vous dire que ça veut aussi, on évolue, on apprend des choses. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec cette charte. On a plein de pratiques sur l'agriculture régénératrice avec des pilotes à droite à gauche qui ont été mis en place. C'était pas formalisé dans la charte. On a eu le nouvel engagement de Bell dans le cadre des accords de Paris de l'année dernière. Donc, on s'est dit qu'il fallait revoir notre charte pour un amont laitier plus durable, pour l'actualiser avec notre nouvelle ambition carbone et aussi pour l'actualiser puisque on va prendre de nouveaux engagements officiels sur l'agriculture régénératrice, pas seulement sur le lait, parce qu'on a aussi, via MOM, Materne Mont Blanc, beaucoup de fruits, et sur toute notre partie végétale, avoir une approche systémique pour travailler l'agriculture régénératrice. Et du coup, la semaine prochaine, notre directrice générale, Cécile Belliot, va faire des annonces sur la vision et l'engagement du groupe vis-à-vis de l'agriculture régénératrice. Et la deuxième quinzaine d'avril, on communiquera aussi sur la nouvelle charte à amont laitier qui a été revue en prenant en compte ces nouveaux engagements. Et juste du coup, pour finaliser, on va du coup avoir vraiment une approche beaucoup plus systémique de l'agriculture régénératrice et comment on peut mettre en place l'agriculture régénératrice sur nos 3 segments qui sont le lait, le fruit et le végétal. Tout à fait d'accord, aujourd'hui il n'y a pas de solution magique sur l'agriculture régénératrice. Il faut d'abord prendre en compte où est-ce qu'on est, les conditions pédoclimatiques, faire des diagnostics, utiliser les bons outils dans la boîte à outils. Vous avez peut-être vu avec la présentation de Monsieur Boivin que c'est quand même très technique, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Même nous, il va falloir qu'on forme nos équipes en interne, il va falloir qu'on échange avec les producteurs sur ce sujet-là, il va falloir qu'on forme les producteurs à l'agronomie. Donc, c'est vraiment un travail sur le moyen long terme. Et en plus, on voit que ça donne vraiment de la résilience à la ferme ou à l'exploitation au bout de 4, 5, 6, 7 ans. Ça dépend vraiment des pays. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et il va falloir accompagner les producteurs sur la mise en place de ces nouvelles pratiques qui vont se faire petit à petit, mais on est persuadé, nous en tout cas,
que la mise en place de ces pratiques pourra permettre la séquestration du carbone, permettre aux fermes d'être plus résilientes face au changement climatique et aussi plus résilientes face aux incertitudes économiques et notamment la fluctuation des marchés et du coup être plus autonome en termes d'alimentation pour les vaches et du coup moins assujetti à ce qui peut se passer sur les marchés. Donc voilà, où est-ce que nous en sommes chez Bell? Comment on traduit tout ce qui a été fait au niveau corporate après sur le terrain, avec chez nous beaucoup d'équipes, beaucoup de techniciens production laitière ou milk advisors qui sont sur le terrain tous les jours au contact des producteurs pour échanger avec eux, pour comprendre leurs attentes, leurs inquiétudes, les barrières auxquelles ils font face quand on doit vraiment transformer main dans la main avec eux l'amont laitier. Très bien. Merci infiniment, Alexandra et Simon, pour ces présentations. Alors, n'hésitez pas à ajouter d'autres questions. J'en ai quelques-unes déjà à vous poser qui vont s'adresser à l'un comme l'autre. Je vais revenir sur la dernière partie qui était plutôt sur la partie alimentaire. Et puis, Alexandra, j'aurais peut-être une question à la fin plutôt pour ouvrir sur la stratégie de Bell dans son ensemble. Vous en avez parlé rapidement. Alors, la présentation sur l'aspect agronomique et agricole était extrêmement claire. Du coup, je vais me permettre de compléter par des questions sur des aspects complémentaires et un sujet qui est essentiel, qui est l'aspect économique. Vous en avez parlé très rapidement. Mais comment vous résolvez l'équation de pratiques agricoles qui sont probablement un peu plus onéreuses, en tout cas au début, d'après ce que vous avez pu dire, avec la pression sur les coûts que vous devez ressentir à un moment où l'inflation est forte? Donc voilà, quelle est la réponse à cette quadrature du cercle qui est présentée à vous? Alors, il n'y a pas une réponse, je ne vais pas vous surprendre. Donc, il y a des pratiques qui permettent d'être, qui ne sont pas plus onéreuses. Il y a des pratiques qui sont plus onéreuses. Après, en général, ce qu'on peut dire, si on parle juste d'un point de vue empreinte carbone, plus une ferme a une empreinte carbone bas, plus la rentabilité de la ferme sera bonne. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et du coup, nous, on a différents schémas qu'on adapte au niveau de chaque bassin laitier pour accompagner la transformation. Donc, vous avez vu, en France, on donne des incentives. Donc, c'est vraiment des subventions à hauteur de 50% en général de l'investissement pour aller aider les producteurs. Parfois, on donne vraiment du prix au travers du prix du lait. Donc, si pour le pâturage, quand on veut encourager le pâturage, on donne un bonus. Quand on veut passer sur une alimentation sans OGM des animaux, on donne un bonus. On fait beaucoup de formations, donc c'est pas du revenu pour le producteur, mais on propose beaucoup de formations sur toutes ces nouvelles compétences que les producteurs doivent développer. Donc ça aussi, c'est des coûts pour Bell. Et ensuite, on est conscient de toute façon que tous ces changements ne peuvent pas se réaliser si le producteur tous les matins se lève et doit penser quel va être le prix du lait demain, je ne peux pas investir, j'ai peur. Donc nous, on est vraiment sur un schéma un peu différent. Si on l'illustre en France, on a vraiment ce qu'on appelle un prix rémunérateur. On s'assoit avec nos producteurs, on a défini des coûts de production et on s'aligne vraiment sur les coûts de production des producteurs et notre prix du lait est indexé sur le coût de production des producteurs et n'est pas influencé comme d'autres concurrents ou dans d'autres pays par la fluctuation des commodités laitières. Donc ça, c'est vraiment unique et on donne de la visibilité puisqu'en général, on s'engage sur un an sur le prix du lait qu'on va négocier chaque année après avec les producteurs, ce qui est assez unique et qui permet aux producteurs de se projeter un petit peu plus. Donc on essaye vraiment d'avoir une approche qui est le prix, le volume du lait, parce qu'au final, c'est un chiffre d'affaires qu'on va négocier avec un entrepreneur, hein, c'est ça, et des services associés. Donc, c'est vraiment ça la démarche.
c'est pas que du prix, c'est pas que du volume, c'est pas on demande juste de transformer, c'est les trois ensemble qui font un package et qu'on va adapter au niveau de chaque pays. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question un peu périphérique sur ces enjeux climatiques dans votre amont laitier. Comment vous gérez la question de la data et comment vous accédez à de la donnée carbone aujourd'hui pour aller de plus en plus vers la performance réelle de vos fermiers et non pas une moyenne sectorielle ou géographique? Ouais. Alors, la data, alors du coup, ce que je vous ai dit, c'est que vraiment, l'empreinte carbone, on va la calculer au niveau de chaque ferme. Donc, en France, je vais prendre notre pays, aux US, on a 100% de nos producteurs qui réalisent une empreinte carbone par an. Donc, tous les ans, les producteurs nous fournissent leur empreinte carbone qu'on va actualiser année par année, sachant que l'empreinte carbone d'une ferme, les aléas climatiques, les aléas économiques peuvent avoir un très gros impact sur l'empreinte carbone de la ferme. Donc, aux US, ils nous le fournissent chaque année. En France, c'est l'organisation de producteurs qui est en charge de nous fournir les données. Après, ça peut être un ou deux organismes qui vont réaliser les empreintes carbone. Sur les autres pays européens, c'est nous qui sommes dans les fermes et qui allons réaliser les diagnostics carbone. Et on a accès direct à la data. Après, il faut se dire qu'une ferme, c'est un pas de temps qui est plus long que l'industrie. Donc, nous, sur une usine, on appuie sur le bouton, on a l'empreinte carbone de la journée. Je schématise un peu, mais c'est presque ça. Ou la consommation d'eau, ou ce que vous voulez. Sur une ferme, en général, il faut un an de données. Et il faut prendre en compte les saisons, les productions, les récoltes, les périodes de vêlage. Donc, c'est vraiment sur un an. Et du coup, on ne peut pas appuyer sur un bouton aujourd'hui et se dire, on va avoir l'empreinte carbone de la journée de tout l'amont laitier. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et du coup, on a vraiment un an de retard, entre guillemets. On a l'empreinte carbone de notre amont laitier, un an de retard, parce qu'il nous faut un an de données. Donc ça, c'est la limite du système aujourd'hui. Après, on est en train de travailler avec Quantis au niveau mondial pour justement fluidifier la remontée de données et avoir une meilleure image en temps réel de notre amont laitier. Bon, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de complexité aussi parce qu'on n'a pas toujours accès à la donnée. Il faut aussi que le producteur soit d'accord pour nous donner accès à la donnée. La donnée est stockée dans de nombreux software différents, que ce soit la machine de traite, tout ce qui est les crops, les semences, tout ce qui est les récoltes. Donc, il faut aller chercher les données partout et essayer de les consolider. Donc, c'est une vraie question. Une bonne question. On travaille dessus. Je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir des empreintes carbone réelles, en tout cas. On n'est plus du tout sur du théorique comme on était au départ il y a 5 ans. Et on fait évoluer petit à petit avec les nouvelles données notre empreinte carbone du lait pour être près de la réalité. Merci. Et alors je vais raccourcir ma question parce qu'il nous reste un peu moins de temps que je ne l'espérais. Mais j'aimerais vous la poser. Alors, vous avez insisté, notamment Alexandra, sur le fait que la trajectoire climat que vous avez dessinée SBT interpelle le modèle laitier. L'intensité carbone du lait étant très supérieure à l'intensité carbone du végétal et avec les évolutions stratégiques de produits. Alors, j'aurais aimé vous entendre sur les enjeux stratégiques et de transformation du modèle, mais je vais plutôt vous poser la question de l'accompagnement du consommateur sur cette évolution moyen-long terme. Donc, qu'est-ce que vous entreprenez pour accompagner l'acceptation du client sur ce nouveau type de produit quand on a créé la vache qui rit et le babybel? Alors, c'est là où, effectivement, encore une fois, les parties prenantes sont importantes et qu'elles doivent nous aider. Et je pense là plutôt à la distribution. Moi, c'est vrai que je n'ai pas rappelé ce que je faisais chez Belle, mais mon job, c'est d'accompagner toutes les directions commerciales du groupe pour essayer de faire du commercial différemment, de travailler sous forme de partenariat, parce que on a besoin aussi de ce maillon de la chaîne qui est la distribution, et c'est notre dernier point de contact avec le consommateur. Donc, quand on lance, par exemple, des nouvelles catégories de produits comme le végétal, sachant qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de géographies, ce sont des petites catégories,
c'est du côté de Bell, on fait un pari en investissant sur ces innovations et on a besoin aussi que la distribution nous aide à le pousser auprès du consommateur. Donc, le type de projet d'accompagnement du consommateur qu'on a, c'est des opérations en magasin ou sur les sites e-commerce, par exemple, pour essayer d'éduquer, on va dire, hein, à ce que ça veut dire de manger plus de végétal, de manger moins carné et de, voilà, d'accompagner la transition alimentaire, justement. Donc, on peut le faire au niveau des marques et on a besoin de le faire aussi avec les distributeurs dans les points de vente ou online, par exemple. Ça fonctionne plutôt bien online. Le message est passé. Alors, j'ai une dernière question et je pense qu'on m'en voudra de ne pas vous la poser. Peut-être en quelques mots, cette réponse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'accord que vous venez de signer avec Carrefour récemment? Alors oui, tout à fait. Avec Carrefour, donc ça fait quelques années maintenant hein, qu'on est membre de leur Food Transition Pact et on est engagé dans la même direction sur la réduction aussi des émissions carbone. Donc on a pas mal de, on va dire, d'engagements communs, que ce soit sur la transition alimentaire au sens pur ou sur la réduction des émissions. Donc, pour la première fois, effectivement, cette année, on a intégré dans l'accord commercial des indicateurs qui sont aussi, on va dire, extra-financiers. Mais globalement, ce qui ressort de cet accord, hein, les trois éléments, je dirais, importants qui nous engagent sur la transition alimentaire dans cet accord, c'est d'abord l'amont laitier. L'amont laitier, c'est-à-dire que Carrefour, en gros, soutient notre politique tarifaire auprès des éleveurs et en particulier ceux de la PBO, donc l'association des producteurs de lait de l'ouest de la France. Donc Simon expliquait justement toute cette politique de prix du lait qui est différenciante par rapport au reste du marché et qui incentive, donc qui donne des bonus en plus aux producteurs qui appliquent les pratiques agricoles responsables sur lesquelles on les forme. Donc Carrefour, on va dire, soutient ce prix du lait. La deuxième partie, c'est sur toute la transition alimentaire en faveur d'une alimentation plus végétale et qui se traduit en particulier sur effectivement le fait d'accélérer ensemble ces nouvelles catégories de produits. Et le troisième élément très RSE, on va dire, dans l'accord, c'est autour du carbone et du fait de traquer ensemble, de suivre ensemble et de partager ensemble justement cette data sur le carbone avec des engagements communs sur notre réduction d'émissions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Simon, Alexandra, et bravo à la démarche que vous nous avez pour la démarche que vous nous avez présentée. On arrive à la fin de ce webinaire, donc comme traditionnellement, je vous invite à vous rendre sur la plateforme Menti pour partager en un ou deux mots ce que vous retenez des interventions de Pascal Boivin sur cet aspect des sols et de l'agriculture de conservation ou régénérative et l'implantation du groupe Bell sur les aspects plus laitiers et d'un acteur de l'agroalimentaire. Alors, on va attendre un petit peu que les réponses apparaissent. Alors, sans surprise, les sols, le message est passé. Et alors, j'en profite pour vous rappeler que ce webinaire sera disponible en replay et que vous pourrez consulter également les slides qui vous seront transmises. Agriculture régénératrice, charte achat, effectivement, sur les outils à mobiliser. All the bell work. Alors, je pense que vous êtes au tout début de la saisie. On va réaliser une mise à jour. François, est-ce que tu as un mot à partager sur la suite du programme par rapport au dispositif de formation climat? Oui, tout à fait. Déjà, je souhaitais
remercier très chaleureusement nos intervenants d'aujourd'hui, parce que c'était parfois certes un petit peu technique, mais en tout cas très éclairant. Et je pense que eu égard à la vision de l'entreprise concernant l'alimentation, hein, puisque bon, bien manger et vivre mieux en préservant la planète, on est vraiment pour le coup pile dans le sujet. Je crois que ces présentations nous ont bien éclairés. Ce que je voulais dire aussi, c'est que comme on arrive effectivement à la fin de ces cycles de webinars, on espère évidemment qu'ils vous auront inspiré, qu'ils vous auront donné quelques clés pour mettre en action un certain nombre de choses directement dans vos périmètres ou continuer à alimenter la réflexion sur le sujet. Je vais répondre certes à ta question, Arnaud, mais c'était plus pour terminer un petit peu pour clore un petit peu le webinaire d'aujourd'hui. Évidemment, qu'on vous enverra le replay sous-titré des présentations d'aujourd'hui, donc vous aurez tout loisir de les reprendre ainsi que les contenus. On en profitera également dans ce mail pour vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction qui va couvrir en fait l'ensemble des 4 webinaires que vous aurez vécu. Merci d'y répondre, ça vous prendra quelques petites minutes et en tout cas nous ça nous permettra de bien comprendre l'intérêt que vous avez porté au sujet et puis surtout de continuer à aller plus loin. Alors pour répondre à ta question, oui évidemment que notre démarche va continuer. Sur la partie sensibilisation et la mise en action et la mise en dynamique de tout le monde. Ces webinars, certes, sont terminés. Pour autant, ce que l'on a déployé, donc, c'est 6 e-modules pour nos dirigeants qu'ils ont déjà découvert et qu'ils vont vivre jusqu'à la fin du mois de juin. Et on prépare en parallèle aussi des e-modules qui sont directement dédiés au fil métier. Cette problématique climatique versus le métier de la finance, versus la communication, versus les problèmes logistiques, etc. Donc on a quand même une application très concrète métier par métier qui se met en place. On poursuit, comme l'a dit tout à l'heure Alexandra, nous aussi le déploiement de la fresque du climat dans les pays, probablement assez rapidement la fresque du numérique aussi auprès des équipes Green IT. Donc, vous voyez, les choses vont continuer. C'est une montée en puissance et on espère qu'effectivement, cette sensibilisation va déboucher de façon très concrète sur des actions. Et en tout cas, on est tenu de le faire puisque la roadmap climat a bien été écrite et partagée par les équipes corporate et déclinées dans les pays. Et de fait, charge à nous de les mettre en application concrète. Je te laisse finir peut-être, Arnaud, de commenter les résultats qui se sont implémentés là sur l'écran. Oui, merci François. Je pense que vous avez eu le temps de découvrir ces mots. Alors, j'insisterai sur un concept et j'espère que Simon entérinera mon souhait. Mais on l'a vu, ce sont des sujets techniques, compliqués, la transition agricole. Et mon message, c'est que ça ne peut pas s'envisager seul. Donc, c'est un enjeu de filière et c'est indispensable de porter ces sujets au sein de filières et en collaboration avec les acteurs de votre filière, que ce soit les autres retailers ou les acteurs de l'agroalimentaire. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui existent qui permettent d'engager des filières dans leur ensemble. Je ne peux confirmer et on cherche toujours des incentives pour faire plein de choses dans les fermes, donc n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Voilà. Écoutez, je crois qu'il est temps de conclure ce dernier webinaire. Donc, merci pour votre participation et puis bon courage pour porter la démarche de décarbonation du groupe Auchan dans la durée. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Belle journée, au revoir. Au revoir, merci.